Bonjour, Christophe Jourdan de la société Protecshock. Ça fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui qu'on suit les salons Préventica, en particulier à Lyon, sur la région Rhône-Alpes. C'est la première année qu'on expose à Paris. On suit les éditions, pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher des contacts, des responsables HSE, des animateurs sécurité qui sont vraiment intéressés par nos produits. On fabrique des barrières de protection à mémoire de forme. On est les premiers fabricants en France à faire ce genre de produits. Et on présente aujourd'hui à Paris un nouveau produit qui est un poteau lumineux avec de la détection, ce qui permet de prévenir sur les croisements dangereux, d'avertir les chariots ou d'avertir les piétons qu'un objet, qu'une personne arrive et limiter ainsi les risques d'accident. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une clientèle de qualité qui se déplace. C'est vraiment notre cœur de cible du responsable HSE, de l'animateur sécurité. C'est des gens qui sont vraiment au cœur des problématiques sécurité sur les sites industriels, sur les sites logistiques. C'est des gens qui sont intéressés par des solutions innovantes comme on propose, des solutions qu'on ne voit pas ailleurs, des solutions qui sont complètes et polyvalentes. Et c'est vrai qu'on a un vrai écho, on a gagné le prix de l'innovation sur Préventica cette année. C'est un vrai retour de nos pairs, des gens du métier. Ça nous fait plaisir, ça récompense beaucoup d'investissements personnels, d'investissements humains, de temps. Voilà, c'est vrai que ça nous fait évoluer, ça nous fait avancer. Et ça draine toujours du monde parce que les gens sont curieux des innovations. On n'est pas statique, on avance, on sait que pour intéresser, il faut innover, il faut apporter du nouveau, il faut apporter du changement. Et un produit qui est simple aujourd'hui à installer comme celui-là va forcément générer beaucoup de passages, beaucoup de trafic. Donc on est heureux aujourd'hui de faire Préventica, ouais. C'est quelque chose qu'on va continuer.